Salut à tous, ici Carboob, bienvenue à cet épisode 11 de The Walking Dead Telltale. Donc, au menu du jour, nous allons devoir botter le cul à des bandits. Et vu le côté taré qu'ils ont montré plus tôt, vu leur tempérament violent, je pense qu'il va falloir mettre un terme à leur danger, à leur activité de manière un peu définitive. C'est pas cool vu dit comme ça, mais franchement, vu la manière dont ils nous attaquent, etc., je pense que là, c'est tuer ou être tué. Et ça, je pense que même en apocalypse zombie, c'est quelque chose que je sais qu'il faudra faire et que, perso, je m'estime prêt à faire si ça veut dire protéger ceux auxquels je tiens. Et là, franchement, ils ont déjà attaqué quelqu'un, ils ont déjà attaqué un ami, je laisserai pas attaquer un deuxième. Reprenons. Ah tiens, je me demande, vu 4 personnes, est-ce que je peux les surveiller à la grange? Ça m'intrigue. Enfin, moi on me dit, tu peux pas aller dans un endroit sans raison. Je vais vraiment vouloir savoir pourquoi. Non, je suis quand même un grand curieux. La bouffe pour la vache. Looks like a feeding station for the cow. Bon. Larry, je t'ai vu. Voilà. Bon, je vais même pas aller. Enfin, non, j'ai même pas envie d'aller lui parler. D'ailleurs, c'est assez impressionnant que son cœur ait pas fait des siennes en 3 mois après la. Après le manque de prescription. Après, oui, il a dû faire le plein de pilules au drugstore. Attends, je peux pas y rentrer? Bah. There's not enough room in the Bon, hospital. pourquoi je rentre I guess a pas? few of us could camp out here in shifts. Bon, d'accord, ce serait pas super respectueux de rentrer alors que les mecs étaient pas très chauds, mais. Pff, ouais. Je vais voir l'intérieur, moi. Dire l'extérieur, évidemment qu'il va y avoir rien à voir de remarquable. Par contre, non, je vais pas parler à Larry, mais il faut quand même que je parle à Lily. Je veux dire, je peux pas les laisser être ostracisés du groupe comme ça, eux deux tout le temps en permanence. Il y a un moment, faudrait que. Larry, je laisse tomber. Mais franchement, je veux dire, faut que Lily et Kenny ils arrêtent de s'engueuler comme ça. Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but Il est inquiet pour moi? Yeah? It's not too bad? I'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Je suis d'accord, mais bon. J'ai pas l'impression. Enfin, les deux sujets sont vraiment tendus. Et j'ai pas envie de parler de Larry à Lily. Enfin, je veux dire, c'est son père de toute façon. Le mec peut être le plus gros enfoiré du monde. Vu comment elle est avec lui, clairement. J'ai envie de dire, elle le sait déjà que c'est un enfoiré. Ça sert à rien de juste essayer de jeter de l'huile sur le feu entre les deux. Autant ne rien dire. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Ta gueule. Merci. Oh, je te jure, celui-là, que. Putain, mais. T'es sorti d'un roman de Stephen King ou bien. Bref. Bon, plus tôt on s'occupe de ces bandits, mieux ce sera. J'ai pas envie d'attendre une deuxième attaque. Donc il faut que j'aille voir Danny. Andy et Danny. Tiens, bah. Il faut que j'aime. Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. What they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah.
Who the fuck are these people in the woods? We don't know. Là, en fait, du coup, c'est obscur, hein, Danny. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So, are you ready to head out there and find their camp? Yeah. Yep. It'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Yeah. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. C'est vrai que la chance, c'est ce qui m'a le plus souri depuis que je l'ai rencontré. J'ai quand même c'est vrai que quand j'y pense, j'ai commencé vraiment avec une énorme poisse. Hein. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que ma jambe a vraiment bien guéri. Allez, notre commande. It's gotta be close. Disparant, enfin. Ça se trouve, ils se sont entretués pour la bouffe, hein. Here. Oh shit, you found it? Ah oui, du coup, j'ai dû apprendre un peu de serment militaire. Et ce serait vraiment entretuer juste pour la bouffe. Enfin, juste pour la bouffe, j'ai envie de dire, c'est le truc qui va le plus échauffer les esprits, mais... You see anybody? Même. Non, il y a des tentes fermées. Can't tell. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Yep. Pas de zombies. Clear. This camp's too small. T'as l'air déçu. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. T'as l'air déçu de pas abattre quelqu'un, mais bon. Remarque, si vous faites piquer la bouffe depuis des mois, je peux comprendre. Empty. But it looks like someone's been eating out of these recently. Peut-être quelqu'un dans le coin, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days, they told folks to gather to the Save Lots by the interstate. Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Qu'est-ce que... Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Elle est vide. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, du coup, si on a mangé récemment, est-ce que quelque chose a cuit? Oh, c'est chaud. Just water. Mais elle boue. Ouais, donc vraiment, quelqu'un était là jusqu'à très peu de temps. Nothing. Empty. Qu'est-ce que... Un dictaphone? Une caméra? Vachement petite, hein. What do you find? A video camera. Let me see that.
Battery's dead, though. Oh, good. Mais... What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move. Pourquoi bien? Qu'est-ce que... I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Là, quand même, tu m'as intrigué là, Danny. C'est... Pourquoi est-ce que ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de pile dans la caméra? C'est quoi? C'est... Je pense pas que t'aies la phobie d'être filmé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense pas que ce soit une tête coupée. Qu'est-ce que... Don't fucking move! Shit! Put your guns down. Qu'est-ce que... I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. Who the fuck are you? Pourquoi t'as le chapeau de Clémentine? Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball, into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Screw this. Y'all wave their guns and kill them to die. Je vais pas me montrer gentil. Shit. What the hell did you do that for? Tu veux être tué. Justice. They've killed too many people. Jeez, whatever, Tex. I mean, I know she was crazy, but damn. C'est une tarée, et elle avait pris le chapeau de ma fille. Qui sait ce qu'elle aurait pris la fois suivante? It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. De quoi êtes-vous going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Mais elle a quand même dit des trucs qui m'ont marqué. Pourquoi est-ce que la fin ne serait pas un endroit sûr? Il y a beaucoup de choses qui clochent quand même en tout ce qu'ils nous disent et ce que j'en trouve personnellement. Mais l'autre avantage de Steer, c'est qu'au moins comme ça, je pense que Danny est bien parti pour me faire confiance avec le coup de tuer le bandit. Il avait l'air assez admiratif du tir. Et du coup, peut-être qu'il laissera glisser plus d'indices sur qu'est-ce qui se passe dans cette ferme. Man, that was a hell of a ride, huh? Mais là, je suis de moins en moins. Back there, took that crazy bitch down. You're back. What happened? Lee took care of it. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband, missing every day. Then screw it up for everybody, then. Why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. Ils sont incorrigibles, ces gamins. What's going on with them? Dunno. Squabbling, looks like. A lot of tension with y'all, huh? Yeah, you could say that. They don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking.
Probablement. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Ah, elle est dans la grange. Je vais leur rendre une petite visite. Ah. Franchement, en d'autres circonstances, ça aurait tellement pu être une hallucination, quoi, vu comment ça... Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le chapeau. Après, est-ce que je vais lui dire comment? Non, je pense que ça peut... Enfin, je lui dirai peut-être un jour, mais... Là, après, avec tout ce qui se passe en ce moment, etc... Tiens, je vais parler à Lily avant, ce sera carrément plus simple. Mais ouais, je vais pas lui dire direct, ouais, j'ai une balle entre les deux yeux, une tarée qui avait ton chapeau. Je pense que c'est peut-être mieux juste de lui dire, j'ai trouvé ton chapeau dans un camp abandonné. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Hey, so what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? Bon, autant être honnête là. Woman in the woods. She was talking all crazy with a crossbow pointed right at my head. So I had to kill her. Jesus Christ! Did you at least get some goddamn food? No, nothing. C'est plus ça qui l'intéresse. It was a mistake coming here. What were you talking about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Je me range vraiment de la vie de Kenny là quand même. Et vu qu'ils sont à la grange, j'ai un prétexte pour y aller. Allez. Yeah. J'ai un chapeau à livrer moi. Oula, ça s'assombrit. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Whoa. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Ah, punaise. Ouais, j'adore cette petite. Je pense que des enfants comme ça, c'est ce qui t'aide à pas devenir cinglé dans ce genre d'apocalypse. Ne serait-ce que pour avoir quelqu'un à protéger, ça te donne un sens à ta vie, quoi. Ça te donne un sens à ta vie d'avoir quelqu'un à protéger. Bon, déjà j'ai... Voilà. How do you like that cow, Clint? She's pretty. Voilà. Hop. Regarde ce que j'ai trouvé. My hat! You found it! I knew you'd find it! You said you would! Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Ma foi, que t'as des enfants pour ta vie. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Thanks for finding my hat. You're welcome, Clem.
Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Hey there, Andy. Yeah? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. You met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he ought to. Thanks. Yep. Je ne suis pas rassuré. Ah. Bon, déjà, j'ai retenu le conseil de Clémentine, ne pas lécher. Hop, 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 hop. I want to play in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Ah, il est mignon lui aussi. Donc, on a vu les deux premiers petits cochons, mais qu'en est-il du troisième petit cochon? Ah. Oh. Les fameux squats. Empty. Ça va? Sérieux? Ma foi, ils ont peut-être pas encore belle bouffe. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. So, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. Look, the point is we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No! Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you're not saying what I think you're saying. Jesus, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Oh, franchement, je t'en veux pas pour ça. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Ton prénom, visiblement. Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. C'est vrai que c'est quand même vachement suspect tout ça. Bon, il viendrait sympa que nous ayons un plan. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois donc pour distraire du coup Andy et le faire sortir de la grange pour découvrir quel secret se cache dans cette ferme. Quel mystère allons-nous dévoiler ? Mais blague à part, enfin voilà, le fait qu'il cache quelque chose effectivement et qu'il y ait une gosse à côté, c'est pas quelque chose qui me rend joyeux. Bon, donc du coup je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de The Walking Dead. Allez, ciao tout le monde!